Allez, de retour ici à Saint-Maur pour la finale de ce challenge international, épreuve de Coupe du Monde de fleuret féminin. Pour commenter cette finale avec moi, Cédric Nkédé, toujours lui. Rebonjour à tous. Et une finale qui va changer un petit peu quand même. Hein. On a été habitué souvent à des Italie-France, Italie-Russie, États-Unis. Cette fois-ci, ça sera le Japon. Le Japon qui a réussi à se glisser jusqu'au final, en maîtrisant leur demi-finale. Ouais, face aux Russes. Exactement. Face aux Russes, une gestion parfaite au niveau de la tactique, en étant plutôt dans l'attente des erreurs hein, des Russes, et ce qui a permis aux Japonaises de se filer sur cette finale. Les Italiennes, quant à elles, se sont imposées face aux Canadiennes. Avec quand même un peu de difficulté aussi, c'est assez surprenant. On aurait pu penser que ça allait être un match assez simple pour les Italiennes, mais qui sont finalement imposées dans la difficulté. Ouais. À noter hein, que l'équipe italienne a été pas mal remaniée, comme à peu près toutes les équipes du plateau d'ailleurs, liées à ces postes JO. Hein. On a deux des quatre tireuses qui étaient présentes au JO Tokyo en la personne de Cipressa et de Volpi. C'est deux Italiennes médaillées de bronze à Tokyo par équipe. Et pour compléter l'équipe italienne, donc Favaretto et Camilla Mancini. Favaretto d'ailleurs qui commence la rencontre. C'est une légère surprise parce que tout à l'heure sur le Canada elle était remplaçante. Donc petit changement de stratégie, peut-être qu'on a décidé de la faire rentrer puisque Mancini a eu du mal hein, sur le Canada. Je crois que c'était assez dur pour elle. En tout cas elle n'était pas large sur ses matchs. Pas à son meilleur niveau sur la demi-finale. Pas mal de fer pour essayer de repousser la japonaise. Attaque trop courte ici. Les japonaises qui ont l'air de créer plus de jeux que sur leur demi-finale. Et là, de l'attaque, oui. Sur le tempo parfait. Avec ses petits battements là pour repousser la japonaise qui défend encore bien, qui n'hésite pas à aller jusque dans ses 2 mètres. Pas d'attaque vraiment franche encore, peut-être sur celle-là. Et là encore elle tombe une nouvelle fois trop court. Elle déclenche son attaque un petit moment trop tôt encore l'italienne. En tout cas depuis leur demi-finale, les japonaises sont après assez impressionnantes sur la gestion de la distance. Elles arrivent bien soit à faire tomber leur adversaire dans le vide, soit à monter rapidement pour casser la distance et arriver à y mettre une contre-attaque. Ça fait 2-0 pour le moment en tout cas pour le Japon. Qui décide de ne plus y aller après ces deux échecs. On va voir un peu comment ça se passe en défense. On a déjà écoulé 2 minutes 20 dans cette première reprise. Dans ce premier relais plutôt. On tape toujours trop court de Favaretto. La japonaise n'y va pas vraiment non plus. Ah,
donner non-combativité sûrement pour la japonaise. Carton jaune, non, ce sera pour l'italienne. Alors on va en finir de ce premier relais. 2-0 pour le Japon. On part sur les bases, d'un match très long. Ouais. Les japonaises qui n'avaient pas hésité hein, justement à pas aller au bout des 5 touches face à la Russie. On était arrivé à 29 touches, je crois. Il me semble, oui. À la fin du match, au lieu des 45 pour conclure. Ils sont restés un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que si elles mènent au score, elles vont pas aller chercher les touches. Ce sera plutôt à l'adversaire de se débrouiller pour essayer de les mettre. C'est ça, on est dans la gestion de match. Et là, c'est Alice Volpi qui rentre en piste. Ça va être peut-être un peu plus difficile pour les japonaises de gérer. Alice Volpi, la gagnante de cette Coupe du Monde en individuel qui s'est déroulée samedi. Ouais, c'est ça, face à Kikuchi, la gauchère japonaise. Alors là, on voit une différence de taille, bien sûr. Et la belle attaque tout de suite de Volpi. C'est l'étoile là qui a gêné la japonaise qui est rentrée dedans. Et l'Italie qui reçoit le score de partout. Ouais. Bien enchaîné de la part de Volpi avec cette parade riposte. De fouette dans la carte. Kikuchi mobile au niveau des jambes. Subit un peu. Ouais, là on voit. On voit qu'elle subit un petit peu sur le rythme de Volpi. Elle sait pas à quel moment essayer de la prendre. Et Volpi qui va terminer son attaque. Et c'est juste. L'arbitre qui donne l'attaque des japonaises sur le bras court de Volpi. Petite défaite encore dans la carte. C'est échoué, qui couche sur sa attaque. Alors là par contre sur ça, c'est cadeau face à Volpi. Hein. Elle va pas manquer la cible. Un peu désespéré, j'ai l'impression, cette remise. Et on sent que la japonaise ne sait pas trop comment poser des problèmes à l'italienne. C'est bien. Bien développé de la part de Kikuchi. Malheureusement, pour elle, la fin de l'action, plutôt. C'est mal déroulé. Par contre, si elle garde cette distance, Kikuchi, ça va être compliqué. Là, elle est pile poil dans la distance de Volpi pour qu'elle ait l'attaque. Volpi là qui est dans un fauteuil. Et c'est allé très vite. Hein. 7-3 déjà. Les touches qui se sont vite enchaînées comparé au premier relais. Tentative encore de bonne carte là, cette parade riposte de Volpi bien face au gauchère. Ça touche pas. L'Italie qui n'est pas d'accord avec qui estime que Volpi fait une attaque au fer et donc l'attaque est en priorité sur la défense demande une vidéo pour tenter d'avoir la touche. Alors que va dire l'arbitre? Confirmé donc, l'attaque est parée
Et c'est la japonaise qui nous a touché 7-4. Et Kyoshi qui se retourne vers son entraîneur Franck Baudin pour lui demander oui mais je prends le fer, sauf que Franck Baudin lui explique oui tu prends le fer mais derrière tu fais une absence, tu n'enchaînes pas ton action, donc la priorité repart pour Volpi. Cette attaque par contre bien emmené de Kyoshi. Elle a enfin trouvé son rythme. Belle réaction là, de la japonaise qui a décidé d'arrêter de subir le rythme de l'italienne. Il y a peut-être aussi ce côté impressionnant, hein, de, même si on n'est pas là pour regarder, mais Kikuchi peut-être qui se dit bon, en face c'est Volpi, faut pas se rater. Et malheureusement pour elle, le début de relais était plutôt moyen, là c'est mieux. Et cette touche là de Volpi, top 5, tout le talent de l'italienne. L'attaque poussée de Volpi qui touche non valable à la main. Oh là là, et Volpi qui fait passer la japonaise ouais. Pour venir passer sa contre-attaque. Très bon relais de Volpi qui colle un 10-2, hein. Non 10-3. 10-3 à Kikuchi. Qui a rattrapé le retard qu'on avait ouais. Commencé à prendre sur le début du premier relais. Sur le premier relais. Et là, vous ne l'avez pas l'image, hein, mais Franck Baudin qui console et qui explique aussi à Kikuchi ce qui s'est passé sur le match pour tout de suite qu'elle se remette dedans pour la suite, parce que bien sûr on n'est qu'au début de cette finale, il y a 9 relais en tout, donc il faut réussir à se remobiliser pour la suite, même si là elle vient de voilà, d'avoir des difficultés face à Volpi. Il lui reste encore 2 relais à tirer, à moins d'un changement bien sûr, mais voilà, il faut réussir à remettre les idées claires à Kikuchi, qu'elle ne se pose pas de questions pour la suite de cette rencontre. Exactement, il faut savoir aussi ça. Il y a des coéquipiers aussi qui sont là pour essayer de rattraper le retard cumulé. Et là, tu prends ça en piste, qui a déjà mis 2 touches. De la japonaise. La phase là d'attaque, remise. On a perdu son fleuret. Ouais. Azuma qui déclenche une première action. Tsupressa qui repart dans le bon temps. Et qui vient donc porter la 13e touche pour l'Italie. L'écart qui grandit de manière importante là pour les italiennes. Faudrait réussir à remonter légèrement au score là pour les japonaises si elles veulent espérer quelque chose pour cette finale. Si l'Italie commence à s'envoler, ça va devenir compliqué. Là, le Japon qui est dans une situation où elles doivent aller chercher les touches, et j'ai pas l'impression que ce soit leur situation préférentielle. Ouais. Bien mentionné, attention. Et l'arbitre qui refuse la demande de vidéo ouais. De Tsupressa. Alors là, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé là. De ce que j'ai compris, c'est que il dit que Tsupressa aurait dû demander directement la vidéo et que là, la demande de vidéo est venue de son coach. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement, quand même. Oui, je comprends pas la décision de l'arbitre. Et l'arbitre,
peut-être un peu tendu en cette fin de journée. Il voulait pas voir la vidéo, bon bah tant pis. Attaque parée. C'est là. Bon, attention, c'est pour ça de rester dans son match. On l'a vu qu'il s'est un peu lancé grand jambes. Il est pas loin de prendre la contre-attaque. Oh. Ok, il y a peut-être un point au niveau de la cuirasse électrique de... Effectivement. Alors impossible de savoir vraiment d'où vient la panne. On a demandé à des techniciens de venir vérifier le problème. Personne ne veut venir. Enfin, le technicien. Alors, on va changer. On va changer quoi? Changer de fil de corps. On n'a plus le technicien pour changer de pile de corps. Ouais. C'est vrai que ça nécessitait pas forcément le technicien. Bon, on va faire un petit récap du coup en attendant de cette journée pour les Françaises qui a été mitigée. Une défaite en tableau de 16 face à Hong Kong. 45-44. Après... c'était les matchs de classement pour essayer d'atteindre la 9e place pour la France. Les Françaises qui ont battu l'Allemagne sur le score de 45-40. Et puis elles se sont inclinées par la suite face à la Corée. 38 ou 37 il me semble. Voilà, quelque chose comme ça. Pour terminer sur une victoire face à la Hongrie sur le score de 45-38 de mémoire. Il me semble également. Et donc la France qui devrait terminer à la 11e place. Bon. Après, on rappelle aussi que l'équipe de France était pas mal remaniée hein, après ces JO de Tokyo, Astrid Guyard ayant arrêté. Isaora Ratibus et Anita Blaz n'étaient pas présentes sur cette compétition. Seule Pauline Ranvier était là. Donc trois nouvelles têtes dans l'équipe. Forcément il fallait s'adapter, puis pour certaines c'était les premières épreuves par équipe aussi avec l'équipe de France, donc bon, c'est forcément difficile de faire un constat de ce week-end. Il y a des choses à mettre en place, il y a aussi des coéquipières à connaître, savoir l'ordre qu'on préfère, qui aime terminer, qui... Alors, voilà, c'est... Exactement, d'ailleurs on a vu un changement de tactique de la part des Françaises au terme de cette compétition, vu que c'est Solène Butry qui a fini en tant que dernière tireuse sur la Hongrie, alors que jusqu'à présent c'était plutôt Pauline Ranvier,
la tireuse avec le plus d'expérience de l'équipe qui était pressentie pour le rôle de finisseuse. Ouais, forcément, l'équipe de France, sans ses leaders, avait peut-être plus... un peu moins d'ambition sur cette compétition, malgré que les nouvelles avaient forcément à cœur de montrer de belles choses. Il y a eu du bon, il y a eu un peu de moins bon aussi. Après, voilà, comme on l'a dit, hein, c'est une première pour certaines. Il faut, c'est de l'expérience prise. Il faut prendre la température. Voilà. Voilà. Puis même au niveau des coachs, hein, forcément, il faut découvrir un peu le rôle de chacune dans cette équipe. Alors, est-ce que le problème est résolu ? On a changé l'enrouleur de l'italienne. On va revenir essayer un peu tout ce matériel. Est-ce que tout fonctionne ? Allez. Le match va pouvoir reprendre. Ça, c'est les joies de l'escrime. Hein. Le matériel. Alors, qui va tirer parti de cette petite pause ? Est-ce que ça a bénéficié à la japonaise qui était en bonne voie ? La part riposte. 14-8. Azuma qui réussit à coller petit à petit. Tout doucement. Ça qui part vers l'avant. Belle parade riposte là, c'est parti très vite. 15-8 pour les italiennes. Et on va entamer le quatrième relais avec Favaretto. Face à Kikuchi. Alors à voir si Favaretto va réussir à trouver sa distance par rapport à son premier relais pour pouvoir attaquer. Favaretto qui a affronté une japonaise plus grande que ce match précédent. Ces petits battements là sur la lame de son adversaire pour pouvoir s'approcher. Elle déclenche une attaque et passe à côté, c'est la contre-attaque de la japonaise non valable. Alors, les Italiens qui ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre. C'est toujours le coach qui réclame la vidéo, mais cette fois c'est accepté. C'est accepté, effectivement. Italien qui estime que c'est l'attaque italienne qui est fluide. Il voyait pas trop ce qu'il demandait là sur cette action, honnêtement. J'ai l'impression qu'elle est en retard du bras, Favaretto, sur cette action. Effectivement, ça me paraissait la bonne décision. Et non. Et non. Ok. Bon appel vidéo des Italiens. Toujours en train de presser avec ses battements sur Kikuchi. Kikuchi qui recule bien. Et c'est bien enchaîné pour aller à la remise. Un peu heureuse Kikuchi là-dessus. La riposte de Favaretto qui passe complètement. Tout le monde s'esquive. Personne ne se touche. Thank you.
Alors, encore la même préparation. Alors, la manière de taquer de Favaretto est oppressante, parce qu'elle est toujours avec le contact de fer, c'est difficile de récupérer la priorité, on va dire. Par contre, c'est pas très efficace. C'est pas très efficace dans le sens où on sait ce qu'elle va faire. Il n'y a pas de variation pour le moment dans ses attaques, c'est toujours ses petits battements pour pousser en fond de piste et déclencher quelque chose à la fin, mais il n'y a pas, vraiment un réel changement de rythme ou quoi. Un changement sur les cibles qu'elle va chercher. Ouais, effectivement. Dans la carte de l'adversaire. Ouais, pas une énorme surprise sur la finale de l'action de Favaretto. Là, c'était justement surprenant qu'elle puisse attaquer aussi vite. Et c'est bien enchaîné. On remarquera qu'elle n'a pas cherché de faire sur cette attaque. Elle y allait franco. Sur le final d'action avec une touche je crois, un peu plus raccourci. Ouais, par contre là c'est très bien déclenché sur l'erreur de jambe de Kikuchi cette attaque 18-9 et l'Italie qui s'envole. Kikuchi qui est un peu en deçà hein, au moment. La japonaise et ça lui permet justement de créer cette attaque. Faut pas se faire endormir par le rythme de Favaretto. Elle commence à avoir un peu de rythme au niveau des jambes. On va en chercher devant derrière. Et la part à la poste. Alors ça demande de l'énergie forcément ce qu'elle fait. Bouger devant, derrière, comme ça, avec les jambes. Mais c'est ce qui permet de créer de l'incertitude. Et l'italienne fait des erreurs. On voit que ça embête beaucoup plus l'italienne quand elle suit. Bah, forcément, quand elle essaye d'imposer un rythme différent. Ça a payé sur les deux touches là, sur les deux touches précédentes, à voir si, comme tu dis, elle arrive à tenir ce rythme sur l'ensemble de la fin du match. Et allez, on perd cette attaque. 18-12, ça va mieux pour le Japon. Et le clan italien qui dit à Favaretto d'arrêter le milieu de piste. Encore 30 secondes dans cette quatrième reprise. Yoni, l'entraîneur italien, qui demande à Favaretto de ressortir de cette distance en reculant un petit peu. Et cette fois-ci, c'était bien enchaîné. Ce retour du pied arrière qui permet justement de pousser aussi sur cette fente en finale d'action. 19-12 pour les italiennes. On voit que dès que l'italienne pousse la japonaise dans ses 2 mètres, la japonaise a beaucoup plus de mal à défendre. Et puis on a vu aussi moins de mobilité des jambes de Kikuchi pour défendre sur cette action. Ah. La juge de main qui signal pour une faute. Carton jaune pour Favaretto. Et la belle attaque.
une nouvelle fois pour donner cette touche d'avance à l'Italie. Et Cipressa qui va prendre le relais. Face à Ueno. L'Italie qui gère hein, quand même son avance. Malgré tout, il n'y a pas trop de danger pour le moment. Non, on ne peut pas dire qu'elle soit mise trop en difficulté. Qui continue de creuser l'écart pour les Italiennes. 21-13. Parade riposte. Il a bien ouvert sa main aussi pour pouvoir contourner la lame de son adversaire. C'est toujours le début de relais des Japonaises qui est un peu compliqué. Après, elles ont réussi plus ou moins à s'adapter. Mais le début de relais fait souvent mal, c'est ce qui fait que l'écart se creuse petit à petit quand même pour en faveur d'Italie. Effectivement, on voit les Italiens qui font très peu d'erreurs, ne serait-ce de jambes ou même des mains, qui font très peu de mots valables. Essayer de mettre la pression en portant son attaque, une remise directe, mais elle ne belle riposte pas. De la japonaise dans une position un peu délicate. Dommage. Et le juge de main qui signale une faute de la part de l'Italienne. Regarde. 22-14, 1-30 encore dans le cinquième relais. Cipressa qui a reçu un carton jaune. L'attaque de la japonaise non valable. Cipressa qui demandait le temps d'arrêt et qui a été confirmé que la phrase d'arme, que son clan a confirmé que la phrase d'arme donnée par l'arbitre était la bonne. L'attaque de Cipressa ici, 23-14. Les japonaises qui ont du mal aussi à mettre la pression sur les Italiens. Hein. Elles ont très peu de l'avant. Pour le moment, la physionomie, c'est les Italiennes qui font un peu ce qu'elles décident en fait. C'est si elles ont décidé d'attaquer, elles vont y aller. Puis après, elles gèrent, elles vont en défense. Alors que les Japonaises, on les voit très peu prendre de décision, de forcer, mettre un peu de pression. Oui, il y a un peu de passivité de la part des Japonaises. Bizarre, même son entraîneur semble pas tant se révolter que ça. Alors tout à l'heure ça avait fonctionné justement cette tactique pour le Japon face aux Russes parce qu'elles étaient devant.
et les Russes devaient courir après le score. Mais là, vu qu'elles sont 10 touches derrière maintenant, ça va être. Il va falloir avoir une révolte quand même dans l'équipe si elles veulent remporter cette finale. Parce qu'en plus, du coup, les Japonaises font de petites erreurs qui sont sanctionnées immédiatement par l'Italie. Cette action, elle n'est pas hyper créée de la part de la Japonaise. C'est une erreur de la de Cipressa, certes, mais quand on est mené de 10 touches, maintenant 9. Effectivement, il va falloir qu'il y ait une révolte de, du côté japonais. Est-ce qu'elles sont pas un peu aussi impressionnées par, par l'événement, par le fait de rencontrer l'Italie? Une possibilité. En tout cas, c'est bien les Italiennes qui mènent de 9 touches, 24 à 15. Avec ce sixième relais et Volpi qui rencontre Azuma. Alors tout à l'heure, c'est Volpi justement qui avait commencé à créer l'écart pour les Italiennes. Est-ce que ça va être la même chose avec ce relais? Attaque Novala. Volpi qui progresse tranquillement. Changer de rythme, mais même un petit peu trop, parce qu'elle était entrée très fort dans la distance. Il cherchait une cible compliquée également. Et en fait, cette touche, l'esquive là, en effaçant un peu l'épaule. Pour l'instant, on voit Volpi pas trop perturbé par le rythme qu'essaye de mettre la japonaise. Pas du tout même. Très tranquille pour le moment, Volpi. Alors on voit la remplaçante japonaise s'échauffer, peut-être un changement à venir pour les Jap. Et là, la parade riposte. 25-16. Moi qui avait décidé de mettre un peu de rythme pour surprendre au préalé. Et Volpi bien concentré. Ouais, qui a sanctionné direct avec une contre-attaque. Attaque tombée dans le vide. Volpi qui repart tranquillement. Bien enchaîné ça de la part de Volpi qui était tombé dans la parade, qui est monté tout de suite pour mettre sa remise. C'était très fort, aujourd'hui c'est toujours très fort, ça bouge pas. Et encore l'attaque. Et la japonaise pas d'accord avec la décision de l'arbitre qui demande la vidéo.
la vision de la vidéo, ce sera attaque simultanée. Attaque puissante de Zuma, mais qui est tombé dans le vide. Et puis qui repart tranquillement au niveau des jambes. D'Azuma en mettant un peu de vitesse dans cette action, mais ça ne touche pas. Le piqué repart encore tranquillement et qui développe très très tranquillement et qui touche. On voit la japonaise qui essaye, hein, qui essaye d'agrandir, de presser à distance, d'aller chercher le fer, mais pour l'instant votre pied reste imperturbable. Elle est au-dessus, hein, pour le moment sur cette finale là, elle est vraiment dans son statut de leader. La riposte, c'est toujours ça de prix. 29, 17 plus 12 pour les Italiennes. Dans les deux box, on est très très calme. Et un peu spectateur de cette finale en fait. Côté japonais, on se révolte pas tellement. Côté italien, c'est très tranquille. Ça se comprend un peu plus du côté italien. Oui. Ils ont le score, leur donne les moyens d'être serein. Du côté du côté japonais, on sent une espèce de résignation alors que, assez tôt dans le match. Pour les Italiennes, on est dans les trois derniers relais de cette finale. Japonais qui essaye de pousser son équipe avec ce changement tactique, hein, on a fait rentrer la remplaçante. Elle va essayer d'apporter son énergie, modifier le cours des choses là pour cette finale. Très bien fait cette action, oui. Avec la petite passe avant pour changer de rythme, puis après cette action bien déclenchée au bon moment. C'est ça qui a complètement subi le changement de rythme de l'adversaire. Ouais. Bien défendu encore de la part de la japonaise. Et l'attaque tenait à Cipressa. L'entraîneur Franck Boisdin qui dit oui, c'est bien ça. Demande pas de vidéo. Début, le problème des relais japonais, c'était justement le fait de mal les commencer. Là, pour le moment, c'est pas mal ce que fait la japonaise. Elle a réussi à enchaîner un petit peu les touches. Oui. Et là encore, Cipressa qui emballe un peu les jambes. Cette contre-attaque. On est repassé à moins 10. Mon relais de la japonaise qui est dans un style un peu différent de ses compatriotes, qui n'a pas peur de faire du jeu. Et ça fonctionne bien pour le moment. Ouais, on vient tout de suite casser le match. C'est après ça qu'il demande à changer de fleuret pour arrêter cette dynamique.
Ouais, on était un peu plus actifs hein, du côté des Cypress au niveau des jambes là. Ça a tout de suite payé. Plus de mobilité, plus d'énergie. Attaque au fer, non valable. Et l'attaque qui repart de la japonaise. Je suis pas ça pas d'accord avec l'arbitre. La demande de vidéo. Ouais, il a à peine regardé, j'ai l'impression. Il a regardé l'écran histoire de quoi. Il n'était pas parti pour changer de décision, monsieur l'arbitre. En tout cas, ça fait 32-23, moins 9. Ça faisait un petit moment que les japonaises n'étaient pas passées sous ce seuil des 10 touches. D'ailleurs, c'est à la japonaise de remonter de toute manière. Encore une minute 8. Donc, c'est pas de nom sur la piste de Tsuposa. Heureux sur cette action, la japonaise 32-24. Et bah, c'est une bonne rentrée hein, de la part de la remplaçante là. Justement, c'est aussi ça la part. Ouais, la part à riposte. C'est aussi ça l'apport de la remplaçante, c'est être prêt au moment où on fait appel à soi. Ah, il n'y aura pas de touche sur cette action. Tu poses ça beaucoup trop grand jambe, qui est venu un peu au contact de la japonaise. Oh là là là. Ah. Alors, Cypressa, elle était à la rue sur cette action. Pas malheureuse, effectivement. Je sais même pas comment la japonaise ne touche pas. Elle a même pas vérifié son fleuret, d'ailleurs. Étonnant. Tannine qui a quand même du mal hein, pour le moment. Au niveau de la distance, on sent qu'elle est perturbée en tout cas. Attaque au fer, non valable. Dès que la japonaise lui donne un peu de. Enfin, lui ouvre cette distance, c'est là où ça lui permet d'attaquer. Par contre, si elle la colle, vu que tu presses ça pour le moment, mais beaucoup de vitesse dans son début d'action, c'est à chaque fois là où elle l'a embêté. Allez, on va s'arrêter là. Et bon relais donc pour le Japon qui est revenu à 8 touches. Les Italiennes. Avant dernier relais. Pour le moment. Toujours dans ce schéma d'attaque au fer en pressant un petit peu son adversaire. Particulier cette attaque, hein. C'est très peu rythmé au début, beaucoup de prise de fer pour avancer tranquillement en enlevant aussi pour ne pas se faire intercepter.
derrière ça va déclencher voilà une action. Azuma ici qui est reparti, attaque non valable. Ça sera la dernière part de poste non valable. Direct de Favarito. Par contre, elle a bien cette variation quand même entre justement ces petites prises de fer pour attaquer en fond de piste ou alors justement cette attaque très rapide au préalé. Qui essaye d'embêter un peu l'approbation de Favoreto avec une ligne en modifiant la distance. Azuma qui est reparti trop vite par contre. Très bien fait de la part de Favoreto qui a reculé pour aspirer justement la japonaise. Pour pouvoir placer sa contre-attaque. L'attaque au fer. Manqué et bien esquivé par Azuma. 35-26 pour l'Italie. Azuma qui a essayé de surprendre Favoreto de l'envoi préalé. Elle a carrément enlevé toute sa lame pour pas se faire intercepter. Quoique l'Italienne puisse faire de part de riposte et une finale d'action non valable. C'était bien tenté. On assiste toujours pas à un vrai changement en tout cas au niveau du rythme dans des matchs. C'est toujours favorable à l'Italie ce schéma là. La japonaise qui s'est arrêtée pensant avoir touché. Déclenche plus vite cette action. Petit changement de mentalité là sur quelques touches de la part du Japon qui dès le regard palais essaye d'agresser l'italienne. Ça va un petit peu plus. L'attaque offerte. Cette préparation d'attaque qui perturbe vraiment les japonaises. Elle n'arrive pas à sortir du rythme assainement qu'impose Favoreto quand elle la presse. Et ses prises de fer incessantes la gêne également. Le juge de main qui signale une faute. Italienne, carton jaune. Encore 40 secondes dans cette 8e reprise.
Et la remise d'attaque. Favorito qui avait raté sa première action initiale. Et qui a enchaîné tout de suite. 38-28. Azuma, le problème c'est qu'elle a mis trop de jambes sur ce début d'action. Et beaucoup trop large de la pointe également, qui n'y arrive pas à rattraper. C'était bien fait ça de la part de la japonaise qui a fait déclencher l'italienne pour la prendre en parade de riposte. Faute de combat de la part de l'italienne qui fasse prendre un carton rouge. Allez Azuma avec cette attaque en retirant le bras pour terminer dessous, mais c'est non valable. Le poste manqué et la remise. 39-29. Attaque parée. Le poste en demande la vidéo. Un plan italien. Aussitôt vu, aussitôt reparti. Et c'est confirmé par la riposte. Allez, on s'arrêtera là pour cet avant-dernier relais. 39-30 pour l'Italie et on va pas se mentir, il va falloir un immense relais de la japonaise pour essayer de remonter hein, face à Volpi. Pour espérer pouvoir gagner effectivement. Ouais, 9 touches de retard. Alors c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable, mais là on a vu quand même Volpi qui maîtrisait bien son sujet. Et c'est là le problème. C'est que en face c'est Volpi, c'est pas n'importe qui. Volpi qui est, on le rappelle, à. Qui a remporté hier cette épreuve en individuel et qui est bien parti pour faire le doublé. Allez, Ueno, Volpi, 3 minutes. Parade riposte manquée. Ueno qui remet un peu de pression sur Volpi. Vraiment tout en tranquillité quoi. Volpi progresse tranquillement au niveau des jambes. On n'a pas l'impression qu'elle soit embêtée du tout par la défensive de la japonaise. Là voilà. 2-3 petits mouvements de main, elle a la parade. Et l'arbitre qui donne la parade riposte. 39-31. L'attaque non valable de Volpi. Volpi qui intercepte. Les Italiennes à 5 touches. Encore remporté cette finale. Attaque de Volpi qui vient maintenant porter l'écart à 10 touches.
J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de grande révolution sur le plan tactique. Hein. Ce ne sera pas du rush. Ouais, bien défendu là. Et bon. Les japonaises à moins 9. Il reste 1 minute 45. Bon, pour l'instant, c'est en tout cas votre but très tranquille. Ouais, totalement en train de gérer cette fin de rencontre. Attends, c'est pas elle de se précipiter. Elle essaye une action offensive de temps en temps, mais. Là c'était beaucoup trop lent au niveau de la main de Volpi, elle a pas essayé d'accélérer sur ce final pour aller toucher. Et la japonaise qui a bien fermé la cible. Il faut faire attention à ce genre de situation où même si on a beaucoup d'avance, si on commence à se prendre quelques touches, on a déjà vu que l'adversaire peut reprendre confiance assez rapidement. On peut se retrouver dans une situation délicate alors que tout se passait bien jusqu'à maintenant. Ça peut mettre un doute hein, dans la tête de l'adversaire. Et là, Ueno qui enchaîne en plus, 41-35. Poste manqué. On voit Volpi la prendre un peu plus les devants. Essayer de casser la dynamique de la japonaise. Ouais, la parade poste. Attention Volpi, ça commence à faire plusieurs touches d'affilée. Elle casse le match. Exactement, elle a senti qu'il était temps de calmer un peu les choses. Okay. 41-36, 1 minute pour revenir, 5 touches. C'est bien enchaîné de la part de Volpi là. 42-36, d'avoir cassé le match, ça lui a servi. Tu m'as permis de casser la série de la japonaise là. Et l'attaque de Ueno. Et encore l'attaque. Oui, Volpi qui subit totalement, qui est totalement dans le rythme de la japonaise. La fin de match, un peu plus à suspense qu'on l'aurait pensé. Effectivement. Très très bon relais pour le moment de Ueno. Alors là, on a deux arbitres. C'est des Lucky Luke de la vidéo. Qui accélère un peu plus le rythme, et ouais, il reste 30 secondes, forcément 4 touches. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait très très bien, mais il y a le temps aussi qui rentre en jeu. Et là, la part avec poste 42-39, 25 secondes. Forcément, vu qu'il n'y a plus beaucoup de temps,
la japonaise va se précipiter un peu plus et Volpi a quand même pas mal d'expérience derrière elle. Parce qu'on l'a vu, hein, cette voilà, fausse attaque sur la première pour recréer quelque chose derrière. Sauf que là, bah, maintenant, elle va plus trop avoir le temps, donc il va falloir accélérer les choses. Moins 4, 13 secondes, ça va être chaud. Ouh. Belle tentative. Il faut y aller, il faut y aller. 3 touches en 8 secondes. Il va pas falloir trop tarder. L'attaque non valable. 4 secondes. Là, faut plus réfléchir. Hein. Et c'est là où les japonaises vont pouvoir avoir un peu de regret, je pense. Parce que justement, si elles avaient su à un certain moment emballer un peu plus cette rencontre, ça aurait pu être un sort différent. Mais là, 1 seconde, 37, 3 touches. Ça va être ouais. L'Italie. L'Italie qui l'emporte dans cette finale par équipe. Regrettable hein, pour les japonaises, puisque il y avait au final, quand on voit ce dernier relais. Oui, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher. Très bien tiré de Ueno sur Volpi. Bien géré aussi hein, de la part de Volpi, puisqu'elle a aussi pris en compte le temps, ce qui lui a permis de gagner sans aller au bout des 45. Mais Volpi qui fait le doublé, du coup, vainqueur en individuel et également par équipe. On a assisté à une belle finale quand même. Avec un rythme particulier, très bien géré, on va dire, par l'Italie. Les Japonaises qui ont tout tenté sur le dernier relais.